Bonjour, je suis Noémie Onia et je suis ravie d'être en présence du chef meilleur voué de France, Jérôme Nitil, qui m'accueille au Castellas pour réaliser une recette pour Gastronomie TV. Merci de m'accueillir dans vos cuisines. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir au Castellas. Vous allez faire une démonstration de salé, et c'est ça? Voilà, on va faire un petit menu à nous deux. Voilà, et moi le sucré. Comme voilà. Ça, on est complémentaires. Un beau duo. Alors, comme on arrive dans la saison des fruits rouges, je vais vous travailler une recette de pâtisserie sur un tomboisé. Donc pour réaliser cette recette sur les tomboisés, nous arrivons dans la saison des fruits rouges. Donc je vais avoir besoin de fraises des bois, je vais avoir besoin de verveine, de vanille, de citron vert, d'eau de fleur d'oranger, de pulpe de framboise, de gélatine, de praliné noisette, de pailleté feuilletine. Donc le pailleté feuilletine, c'est un produit qu'on trouve en pâtisserie. Si on n'en a pas, on utilise simplement des crêpes gavottes que l'on va concasser. Du chocolat au lait, du sucre, de la crème liquide à 35%, c'est important. De l'orange, du citron vert, du citron jaune, du mascobado qui est un sucre 100% issu de la canne à sucre, du beurre, de la farine, des œufs, de la levure chimique, du blanc d'œuf et du sucre glace. Alors, pour commencer cette recette, nous allons travailler une mousse très légère au citron vert et à la verveine. Donc ça va être une mousse façon panna cotta. Je vais utiliser de la crème liquide. Voilà. Je vais ajouter plusieurs aromates dedans, tels que la vanille, le citron vert et la verveine par la suite. Je vais couper la vanille en deux et ensuite l'égrainer. Dans cette crème, j'ai ajouté donc du citron vert qui va infuser donc dans la crème, qui va apporter beaucoup de fraîcheur et casser le gras de la crème. Et j'ai ajouté de la vanille. Je vais continuer en ajoutant un peu de sucre et quelques gouttes de fleur d'oranger. Je vais mettre le tout à chauffer. En attendant, je vais faire ramollir ma gélatine. Alors, dès la première ébullition, je vais égoutter ma gélatine qui est ramollie dans de l'eau froide et l'insérer à ma crème. Une fois la gélatine insérée, je vais ajouter ma verveine. Alors, je ne l'ajoute pas tout de suite, sinon elle va cuire et donc elle va noircir et apporter un petit côté amer à ma préparation. Quand je fais infuser de la menthe ou de la verveine, je le dispose à la fin. Alors là, j'utilise de la verveine séchée, mais on peut très bien utiliser de la verveine fraîche. Par contre, la verveine fraîche, l'utiliser en quantité moindre dans la mesure où elle est fraîche et donc plus puissante. Donc ça, je vais laisser infuser et donc je le réserve sur le côté. Deuxième étape de la recette, on va réaliser un gélifié framboise. Je vais faire chauffer un peu de purée de framboise. Je vais faire ramollir ma gélatine. Alors je fais chauffer que la moitié de purée de framboise. Là ici, j'ai de la purée de framboise fraîche parce qu'une fois chaude, je vais insérer ma gélatine. Je vais la couler sur mon mélange froid et donc ça va me réaliser un mélange tempéré et je vais couler enfin ma gelée. Et ensuite, le mélange tempéré, je vais le couler pour le réserver en cellule de refroidissement ou au congélateur. Voilà, dès les premières ébullitions, je vais insérer ma gélatine égouttée dans ma framboise et je vais attendre la prochaine ébullition que ma gélatine soit bien insérée car la framboise est un fruit acide. Donc comme le fruit de la passion, on attend bien les prochaines ébullitions. Hop, voilà, je remélange l'ensemble. Une fois tempéré, je coule donc sur une plaque plate filmée. Alors une fois infusé, je vais donc passer la panna cotta pour récupérer les aromates. Prochaine étape, je vais donc réaliser un biscuit aux agrumes. Je vais donc avoir besoin de beurre, d'œufs, de sucre mascobado, de levure chimique, de farine, de vanille, d'une orange, d'un citron jaune et d'un citron vert. Alors je vais donc mélanger les œufs avec le sucre mascobado. Alors en fait, le sucre mascobado, c'est un sucre 100% issu de la canne à sucre. Donc c'est un sucre non raffiné. Ça va apporter un goût assez spécial, assez frais, mais aussi un peu de réglisse. Alors une fois mes œufs mélangés au sucre, je vais donc faire fondre mon beurre au micro-ondes. Je vais égrainer une vanille et je vais râper une demi-orange, un citron vert et un demi-citron jaune. Voilà. Alors je vais les disposer dans le beurre tout simplement car les aromates vont infuser dans le beurre. Mon biscuit sera encore plus parfumé.
Voilà, donc je vais ajouter mon beurre. Ensuite, je vais mélanger ma farine et la levure que je vais ensuite mélanger à mon biscuit. Une fois mélangé, je vais donc le couler dans mon moule. Je vais donc le cuire environ 7 minutes à 200 degrés. Pour continuer la recette, nous allons confire quelques fruits rouges. Pour cela, je vais simplement les couper grossièrement. Je rajoute des fraises des bois. Alors je les coupe grossièrement, pourquoi? Parce que je vais les cuire et donc si je ne veux pas que ça me réduise en purée, j'ai intérêt à les cuire avec une plus grosse masse, avec un plus gros volume. Je vais ensuite réaliser ce qu'on appelle un caramel à sec, donc tout simplement en mettant du sucre au fond. Voilà, donc une fois fondu, j'ajoute mon fruit rouge. Voilà, donc je vais laisser confire tranquillement. Donc en fait, le jus des fruits se mélange au sucre et donc on va avoir une petite compotée que je vais insérer dans ma mousse façon panna cotta. Alors j'ai besoin de cuire les fruits parce que si je mets des fruits frais, le jus va sortir et donc va humidifier ma mousse façon panna cotta. Alors ensuite, nous allons procéder à la mousse façon panna cotta. Ma première crème en fait est froide et je vais donc insérer de la crème fouettée. Je vais insérer de la crème à 35%. Alors c'est important le pourcentage de matière grasse car si vous n'avez pas assez de matière grasse, la crème ne va pas se fixer et donc vous pouvez toujours attendre que ça monte. Alors ensuite, une autre petite astuce pour mélanger une mousse, mousse au chocolat ou mousse de fruits, on bannit le fouet et on utilise la maryse. Sinon vous cassez la texture de votre crème. Alors la technique, c'est toujours de bas en haut pour obtenir un mélange homogène. Une fois mélangé, je vais donc couler ma mousse dans des moules à demi-sphère en silicone. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous utilisez la forme que vous voulez. Et cette recette est aussi réalisable tout simplement en verrine. Une fois ma mousse coulée, je vais ajouter mes fruits confits. Donc bien sûr, je les ajoute froids. Alors une fois coulé, j'ai ajouté donc mon confit de fruits rouges et je vais donc le disposer au congélateur pour pouvoir correctement le démouler. Alors prochaine étape de la recette, je vais réaliser des fruits macérés, donc qui vont être frais mais qui vont être simplement macérés avec plusieurs aromates. Je vais donc couper mes fraises sous forme de brunoise. Je vais ajouter quelques fraises des bois. Alors la fraise des bois est une baie très fragile, donc c'est pour cela que je vais la couper seulement en deux. Sinon elles vont rapidement s'écraser et ça ne va pas être agréable à la mâche. Une fois mes fruits coupés, je vais donc rajouter des aromates. J'ajoute donc quelques pincées de sucre. Le sucre va se dissoudre avec le jus des fruits et on va obtenir une macération. Pour obtenir un mélange moins sucré et quelque chose de très frais, je vais ajouter quelques zestes de citron vert qui va très bien se marier avec le fruit rouge. Je vais ajouter quelques framboises, une gousse de vanille et je vais ajouter quelques gouttes de fleurs d'oranger qui va très bien aller avec le fruit rouge. Je vais ensuite ajouter quelques feuilles de verveine sèche et disposer l'ensemble au frais pour une meilleure fraîcheur et pour que la macération puisse être effectuée. Prochaine étape, je vais donc réaliser un croustillant avec du praliné noisette et du pailleté feuilletine. Je vais fondre mon chocolat et mon praliné au bain-marie pour éviter de le brûler. Je n'oublie pas de mélanger car si j'oublie de mélanger, le chocolat va coller et adhérer au fond et donc va brûler. Donc on va laisser fondre tranquillement. En attendant, nous allons réaliser une pâte à cigarette. Pâte à cigarette très simple, je vais avoir besoin de beurre, de farine, de sucre glace et de blanc d'œuf. Dans un cuit-poule, je vais donc ramollir mon beurre pour commencer, au-dessus du bain-marie pour éviter de le fondre. Et je vais ajouter mon sucre glace. Je vais ensuite ajouter mon blanc d'œuf et fouetter énergiquement pour obtenir un mélange homogène. Je vais ajouter ma farine. J'obtiens donc une pâte à cigarette toute simple. Voilà, donc mon praliné et mon chocolat ailé est fondu, je vais donc ajouter mon pailleté feuilletine. Pourquoi j'enrobe le pailleté feuilletine avec le praliné noisette et le chocolat? C'est que dans le praliné et dans le chocolat, on a du beurre de cacao et ça va nous imperméabiliser l'ensemble. Donc ce qui fait que quand je vais le dresser avec mon dessert avec une mousse humide, mon biscuit ne va pas s'humidifier. Sur un papier sulfurisé, je vais disposer mon croustillant et je vais donc l'aplatir. Une fois étalé, je vais le disposer au frigo ou au congélateur. Le chocolat va se rétracter, va durcir et donc mon biscuit va devenir encore plus croustillant.
J'ai ma pâte à cigarette où le beurre a refroidi et donc a raffermi ma pâte. Donc je vais utiliser donc des chablons que j'ai taillés moi-même à la main pour faire un super dressage. Donc je vais prendre ma pâte à cigarette et donc je vais l'étaler sur mon chablon bien à plat. Alors petite astuce, je vais utiliser un cure-dent et je vais réaliser un motif dedans. Vous allez comprendre après pourquoi. Je vais le cuire 3 à 4 minutes au four à 200 degrés. Une fois sorti du four, donc on a une partie qui est un peu plus cuite et d'autres moins cuites, donc après ça dépend de vos goûts. Je vais les laisser refroidir sur le côté. Ensuite, je vais démouler donc mes mousses. Alors les mousses sont totalement congelées et donc je vais les démouler très rapidement. Et à l'aide de mes mains, en chauffant un peu sur les côtés, je vais assembler et régulariser une boule. Je vais les laisser tranquillement environ une heure décongelées au frigo. Je vais maintenant donc passer à la phase finale du dressage. Devant moi, j'ai tous mes éléments avec mon croustillant praliné gavotte, ma gelée de framboise, mes fruits rouges macérés, ma mousse citron vert verveine avec les fruits rouges confits dedans, mon biscuit aux agrumes, la pâte à cigarette et quelques fleurs comestibles car j'adore travailler les fleurs. Donc je vais commencer à les détailler. Je vais commencer par mon biscuit. Je vais détailler mon croustillant, donc comme on peut l'apercevoir, le chocolat a refroidi, s'est rétracté et donc on obtient quelque chose d'homogène. Je vais détailler la gelée. Alors je vais donc détailler un tout petit disque dans la gelée pour permettre à la sphère de ne pas glisser lors du dressage. Donc voilà ce qu'on obtient quand les fruits sont macérés. Le jus a fait dissoudre le sucre et donc là on obtient voilà, des fruits qui sont très parfumés et bien marinés. Je vais donc passer à la partie du dressage. Donc dans un emporte-pièce, je dispose mon biscuit. J'ajoute mes fruits rouges. Alors j'ai encore un peu de jus, ce qui va imbiber mon biscuit. Je vais ajouter mon croustillant gavotte. Et finir par ma gelée de framboise. Je vais disposer ma boule de mousse façon panna cotta et finir par ma pâte à cigarette. Je vais ajouter quelques points du coulis. Je vais ajouter quelques fleurs comestibles. Alors ici on a de la fleur de jasmin. Alors comme on a réalisé une mousse à la verveine, je vais utiliser des fleurs de verveine séchées. Alors tout à l'heure j'ai réalisé un sorbet framboise, donc j'ai des petits moules spéciaux, voilà, donc en fait c'est simplement des moules en silicone dans lesquels je vais mouler ma glace. Et ensuite je vais les séparer, les remouler en forme de boule, comme ça sur un seul dessert on aura toutes les textures. Et voici une recette pour Gastronomie TV au Castelas avec le chef Jérôme Nithil à déguster pour les gourmands.